les actions émergentes continuent de monter en avril et sont désormais à près de 11-12% depuis le début de l'année. Comment analysez-vous cette performance tout à fait satisfaisante? Alors, c'est vrai qu'en avril, on continue de monter sur les marchés émergents, ce qui est une bonne nouvelle. L'environnement macro reste favorable, très bonne croissance en Asie, notamment en Chine et en Inde. Baisse de l'inflation au Brésil, donc baisse des taux, tout ça est plutôt positif. Les flux restent très bons également, presque 23 milliards de dollars sur les actions émergentes de la part d'investisseurs étrangers. Ça, c'est sans compter en plus les investisseurs locaux, chinois qui achètent à Hong Kong, brésiliens mais qui achètent au Brésil ou indiens en Inde. En plus, ce qui est très bon aujourd'hui, c'est l'aspect microéconomique. Les résultats du premier trimestre sont très bons, en tout cas pour ceux qui sont déjà sortis, notamment la technologie en Corée, mais aussi au Brésil, où on a vraiment un retournement de la situation. Il y a quelques semaines, on s'inquiétait sur l'effet taux de change, notamment sur les exportateurs, parce que les taux de change émergents plutôt montés contre dollars, ce qui pourrait être négatif pour les exportateurs. A priori, pas trop de soucis à ce niveau-là. On note néanmoins quand même que depuis quelques semaines, les marchés émergents montent un petit peu moins que le reste du monde. Donc c'est vrai qu'au mois d'avril, on sous-performe légèrement. On digère tout simplement la forte surperformance du premier trimestre. Après la hausse récente, quel est le potentiel pour le reste de 2017? Alors bien sûr, cette hausse est assez spectaculaire, quand même 11-12% depuis le début de l'année. Il faut bien se rendre compte qu'en fait, cette hausse correspond finalement à la hausse des prévisions bénéficiaires à laquelle on ajoute à peu près la progression positive des taux de change. Il n'y a pas eu jusqu'à maintenant de revalorisation des marchés émergents. On estime par ailleurs que quand même les investisseurs internationaux, même s'ils ont commencé à bien réinvestir sur cette classe d'actifs, restent très sous-pondérés. C'est le cas sans doute de la plupart des investisseurs européens. Donc compte tenu de ces flux qu'on estime qui vont continuer d'être positifs, on pourrait quand même constater une revalorisation des marchés, donc un multiple qui augmente. Donc le potentiel de hausse reste présent sur la deuxième moitié de cette année. En termes de risque, que pensez-vous de la Chine? Alors, on estime que le stimulus chinois, en tout cas dans sa partie étatique, a fait son temps. Donc, à ce niveau, il convient d'être prudent sur les matières premières, sur l'évolution des prix des matières premières. La demande chinoise pourrait quand même être moins forte au cours du deuxième moitié 2016, surtout le quatrième trimestre et peut-être 2018. En dépit de cela, on constate quand même que ce stimulus se diffuse dans toute l'économie chinoise, dans l'économie privée chinoise, et tout ça c'est très positif pour la consommation. Donc on reste très positif sur ce secteur de la consommation, c'est là où nous sommes très, très exposés dans le portefeuille GEM Equity. Dans cet environnement, comment positionnez-vous le portefeuille GEM Equity? Alors au cours du mois, on a réduit notre exposition sur les cycliques traditionnels. On est sorti de dossiers comme POSCO en Corée, Ternium en Amérique latine, ce sont des deux aciéristes. Également Antofagasta, qui est un producteur de cuivre. Complètement sorti de ces dossiers, on se concentre sur les belles valeurs de croissance, et notamment en Chine, dans la consommation, c'est presque un tiers du portefeuille sur ces belles valeurs de croissance chinoises. Également dans la technologie, alors la technologie c'est quelquefois en Chine, mais c'est surtout en Corée et à Taïwan, là aussi près d'un quart du portefeuille investi sur ce secteur, dont les perspectives de croissance vraiment sont très bonnes et confirmées, absolument confirmées par les chiffres du premier trimestre 2017. Au mois de mai, je vais aller en Chine, j'ai passé 10 jours en Chine dans plusieurs villes chinoises, donc j'aurai un constat peut-être plus vivant sur ce qui s'y passe, et je vous en ferai part à la fin du mois prochain. Merci, au revoir.